Bonjour à toutes et à tous. Ben là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Tu as parlé des sons, que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Chaque sens au tennis est important. Si tu joues dans une salle qui est extrêmement bruyante, ton ouïe forcément va rater des sons. Il va rater notamment, par exemple, l'impact, le bruit du son de la balle dans la raquette de l'adversaire. Et le seul moyen qu'on a pour savoir si une balle vient vite ou lentement, pour nous, c'est le son. C'est-à-dire que quand un joueur sert à 220 km/h et qu'il est à 18 mètres de toi, le temps que ton œil décèle où elle va aller, à quel endroit, elle est déjà là. Elle est déjà là. Quand tu entends un bruit très sourd, tu sais que ça vient vite. Un service à effet, il ne fait pas le même bruit. Un service à effet, il va faire un service play, il va faire pac, comme ça. Donc, dès que tu entends le bruit, tu sais si c'est une balle qui va tourner ou une balle qui va venir vite. Et c'est pas quand les joueurs demandent le silence, c'est parce que ça les perturbe. On te met des boules quies, c'est très dur de jouer contre un bon joueur avec des boules quies. Donc, le son, on est très concentré, bien sûr, sur la vue, mais aussi sur après, le toucher. Pourquoi le toucher? Parce que quand la balle rentre dans ton cordage, moi, je me souviens des souvenirs de certains points, même, où la balle rentrait dans mon cordage se déformait. Et la sensation du cordage qui se déformait dans ma main, je savais à 20 cm près où est-ce qu'elle allait être. Tu vois? C'est comme un violoniste à te dire, je sens quand je fais vibrer ma corde de mon violon, je sais exactement sur quelle note je suis sur un dièse ou si je suis un. À un moment donné, quand tu joues très 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 bien, que tu étais à ton sommet, tu as ce degré de sensibilité. Et c'est effrayant, mais en même temps, c'est très jouissif parce que ce que je t'explique, tu es dans une espèce d'état où tu sais exactement ce qui va se passer, tu observes l'adversaire. Quand tout d'un coup, tu vois le gars qui grimace le visage ou qui baisse la tête ou qui a une attitude un moment négative, oh, ça nourrit ton feu intérieur. Donc tu es tout le temps en contrôle sur ce qui se passe. Et il peut y avoir 15 000 personnes, tu les entends pas, tu les vois pas. Tu es juste sur cette perception que tu as de l'adversaire et de ton jeu en permanence. Quand tu commences après à avoir des gens qui crient, un type qui dit hey, espèce de con, ah, t'as perdu, bien fait pour toi. Quand tu commences à entendre des gens qui te parlent, c'est pas bon signe parce que tu sors de ton espèce de bulle.